Salut, zami mwen. C'est toujours rubrique Paola, ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Et dans mon temps pris, sous pot quoi abonner sous page YouTube nous, profitez de ça. Mettez un pouce bleu sous vidéo nous yo et partagez yo avec un pile l'autre monde dans les contacts. Merci d'avance. Jodia n'a attiré attention sur quelques caractéristiques du Dieu de la Bible. Bon, zami mwen, c'est vrai, c'est bien, nous féliciter ou kwen nan bon Dieu créateur, ou se yon théiste. Mais, est-ce que vous êtes un théiste biblique? Ça vle di, est-ce qu'on connaît tout bon vrai la personne de Dieu, jan la Bible révélé li a? Ou bien, est-ce qu'on accepte les révélations sur la personne du grand créateur, telles qu'elles sont révélées à travers les saintes écritures? Zami mwen. Pa gen manti nan sa. Youn nan pi gran mwayen ki genyen pou konn bon Dieu, c'est à travers les saintes écritures. Et c'est ça qui fait yo rele le christianisme la religion du livre. Pour capable bien servir bon Dieu, ou doit konnen li, ou doit bien konnen li. Et c'est ça qui fait youn nan pi gran ennemi l'homme, youn nan pi gran ennemi tout moun ki veut servir bon Dieu, c'est l'ignorance. Concernant les révélations de Dieu. Heureusement, Dieu pas quitté nous dans l'ignorance. Il s'est révélé à nous à travers les saintes écritures. La Bible révèle nous la personne et l'œuvre du grand créateur. M'a rappelé que croyance yon moun, c'est un bagage fondamental. L'homme dans tout ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est résultat ou bien produit qualité croyance li. Nan sa ki gen rapport avec qualité croyance li et confiance li nan bon Dieu, l'apôtre Paul précisait pour nous-mêmes dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, je sais en qui j'ai cru. Qui t'aime partager une petite idée ensemble avec ou même sur les principales caractéristiques de Dieu pendant n'a appuyé nous sur les saintes écritures. Selon Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, le Dieu créateur est le seul éternel. Il est le seul vrai Dieu. Vous pouvez lire également 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4 et verset 6. Le grand créateur, qui est aussi le seul rédempteur des hommes, il est le seul vrai Dieu. Il est vivant. Ça veut dire l'incomparable. Dans toute qualité caractéristique liyo. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 dit nous, il est le Dieu vivant et vrai. Ou capable lire également Jérémie chapitre 10 le verset 10. Dans Job chapitre 11 verset 7 à 9, chapitre 26 verset 14, Dieu créateur li pa gen rival et li infini dans toute qualité dimension liyo. Surtout en son être et en sa perfection. Le Dieu créateur est parfaitement parfait. Il est un très pur esprit, selon Jean, chapitre 4, le verset 24. Le Dieu créateur est invisible, selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Pas de monde qui a fait aucune représentation valable du Dieu créateur et tout-puissant. Ou mettre 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Et d'après révélation que nous joignons dans Deutéronome 4, verset 15, verset 16, Jean chapitre 4, verset 24, le Dieu de la Bible est incorporel et indivisible. Selon Jacques chapitre 1, verset 17, Malachie chapitre 3, le verset 6, le grand créateur est immuable, il n'est pas changé et il n'est pas jamais changé. C'est plutôt lui-même qui a contrôlé et puis tout provoqué, toute qualité changement ici-bas. Li gen contrôle situation yo. Le Dieu de la Bible est sans borne. Il est sans mesure. Il est immense. Selon 1 roi, le chapitre 8, verset 27. Jérémie, chapitre 23, verset 23 et verset 24. Le grand créateur est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il représentait la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. D'éternité en éternité, il est Dieu.
Psaume 90, verset 2. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Zami mwen, ou comprendre combien li important pou bien connait Dieu ou observer ya? Mwen espere que ou pral répéter même Jean avec apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Mwen gen privilège pou mwen recevoir les révélations sur la personne de mon rédempteur, du grand Dieu créateur. Et dans sens ça n'a présenté pour vous-même. Ou connaît et ou connaît seulement sa bon Dieu révélé ou même. Dans ce sens-là, Dieu est incompréhensible. Ou pas capable faire mêli en d'anti définition. Ou pas capable jamais comprendre ni totalement et parfaitement. Ou mettre li Psaume 145 le verset 3. Le Dieu de la Bible est tout puissant. Ça veut dire li gagne un pouvoir sans limite. Li fait salve les gens, les lèvres, les côtés, li façon vle et pas gagne rien qui capable faire obstacle à sa volonté. Ou mettre li Genèse chapitre 17 verset 1er, Apocalypse chapitre 4 le verset 8. Le Dieu de la Bible est très sage. Il n'a pas besoin de conseiller. Il est la totalité du savoir. Romains chapitre 16 verset 27. Il est également saint. Il y a même prédicateur qui dit il est la totalité de la sainteté. Il est trois fois saint. Ésaïe chapitre 6 verset 3. Apocalypse chapitre 4 le verset 8. Le Dieu de la Bible est libre. Li grand moun. Pas gen moun ki ka pose le question sou sa la fait et sa l'a pas fait. Psaume 115 le verset 3. Le Dieu de la Bible est absolu. Li pas dépend de personne. Exode chapitre 3 verset 14. Youn nan bagay créateur plus sensible pour lui-même c'est sa gloire. Il fait tout bagay net contribuer à sa gloire. Chapitre 16, verset 4. Romains, chapitre 11, verset 36. Le Dieu de la Bible est amour. 1 Jean 4, le verset 8 et le verset 16. Il est grâce. Il est miséricorde. Il est patient. Le Dieu de la Bible est riche en bonté et en vérité. Il est le Dieu qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Exode, chapitre 34, verset 6 et verset 7. Il est le juge, le juste juge. Li récompense, moun qui mérite récompense, il fait grâce, il condamne, moun qui malheureusement a vivre dans désobéissance à sa sainte volonté. Néhémie, chapitre 9, verset 32, verset 33. Grand créateur, li pas danser collé avec péché. Li dos à dos avec moun kap transgressé principe parole li. Moun ki konnen sa ki bien et ki refuse accompli li ou bien moun ki bay approbation yo nan péché les hommes. Psaume chapitre 5 verset 5 et verset 6. Et sa ki bèl la, Seigneur konnen ki est ki innocent, ki est ki coupable. Li pa pran youn pou lot. Exode chapitre 34 le verset 7. Zanmi mwen, ou capable comprendre maintenant qui toute assurance apôtre Paul t'a gagné l'elle t'a gagné et joindre révélation le Dieu en qui il a cru joindre révélation concernant le seul vrai Dieu créateur c'est youn. Mais deuxièmement li important pour soumettre en bas volonté li pour reconnaître et confesser parole ça que nous joindre dans 1 Timothée chapitre 1er le verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.